Mesdames, Messieurs, Dames en Heren. In de stadhuis Brussel, de mooiste stadhuis ter wereld, zijn er natuurlijk soms gevoelige momenten. Belangrijke momenten, maar ook gevoelige momenten. En vandaag is een van die gevoelige momenten. Want het is een moment waarmee de stad Brussel absoluut wou mee zijn om aan iemand te zeggen, officieel, dankbaarheid. Dank u voor wat u gedaan hebt. Niet alleen voor de stad natuurlijk, voor België, voor Europa en voor de wereld in het algemeen. Madame Romeyer, je voulais vous dire que, et la famille, que dès qu'il y a eu cette idée de donner un moment de témoignage des chefs à chef Romeyer, la ville de Bruxelles a tout de suite dit oui. Want dit is ook logisch. Hier zijn we niet alleen de stad Brussel, de hoofdstad van België, maar ook de hoofdstad van Europa. Je pense qu'il faut chaque fois se rappeler que nous ne sommes pas seulement la capitale de la Belgique, mais nous sommes aussi la capitale de l'Europe, 580 millions d'habitants. Ce qui veut dire que quand on célèbre, quand on honore, quand on remercie quelqu'un ici, c'est une autre portée qu'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle, pour tout ce que votre mari a donné, a fait, a construit, a témoigné, la ville de Bruxelles ne pouvait pas être loin. Cher Pierre, très cher Baron, sans ton énergie inépuisable, jamais une association comme celle des mets cuisiniers de Belgique n'aurait pu voir le jour. Je nous vois encore à l'occasion d'une réunion des grandes dames du monde de tradition et qualité, demander au président des maîtres cuisiniers de France de l'époque, Paul Blanc, de son auberge à Toisset, 2 étoiles, comment fonctionnait son organisation. Et dès la création de la version belge de cette belle amicale, tu en devins tout naturellement le premier président. Et quel président! Plus encore, avec la complicité de ton ami Jacques Deluc, tu as jeté les fonds baptismaux d'une organisation qui allait être appelée à connaître un retentissement à l'échelle européenne, Eurotoc. Cette Europe des casseroles, ainsi que tu l'avais appelée, de tous tes souhaits. Nous ne soulignerons jamais assez le fait que celle-ci était bien belge au départ. Et c'est avant tout ton talent de cuisinier que je souhaite évoqué. Ton restaurant était connu du monde entier. Le guide Michelin t'a récompensé du grade suprême avec les 3 étoiles. Tu aimais la grande cuisine, la vraie, chaleureuse et généreuse, qui ne se met pas en scène, mais où le produit est roi. Le roi des Belges t'a même nommé baron, titre dont tu étais très fier. Mais le titre qui te tenait le plus fier était celui de chef, comme mentionné sur le faire-part. Il n'y a pas d'école de chef, ce sont les clients, les collaborateurs, les amis et la vie qui nous décerne ce noble titre. Mon cher Pierre, je voudrais profiter de cette ultime occasion de m'adresser à toi pour te demander une dernière faveur. Voudrais-tu bien, là-haut, nous prévoir quelques-uns de tes bons petits plats dont tu avais le secret pour quand nous viendrons te rejoindre? C'est grâce à vous que j'ai pu poursuivre mon chemin dans d'autres maisons étoilées, comme chez Claude Dupont, à qui vous m'aviez recommandé, et par la suite au Comme Chez Soi. Je vous ai vu un jour à l'hôpital, les yeux pleins de larmes. C'était des larmes du bonheur, tout simplement, parce que vous saviez que votre travail avait porté ses fruits et que vous ne vous étiez pas trompé.
C'est cette expérience acquise pendant tant d'années que j'essaye de transmettre à la nouvelle génération. Dans ce train qui vous emporte, il y a tout un wagon de pensées, mais je garde votre rire, votre bonne humeur et votre gentillesse pour toujours au fond de mon cœur. Reposez en paix, chef. Les trains partent à l'heure et nous sommes tous les passagers d'une même destination finale. Merci, chef. Pas vous dégoûter, mais le bonheur de l'humain, c'est une chose difficile et facile en même temps. Mais je peux vous donner la recette. Il suffit d'un bon cutter et vous mettez le brochet dedans, vous mettez de la moelle de bœuf dedans, cru, vous moulez tout ça, vous mettez de la crème. Et puis, si vous avez les moyens, vous mettez des trucs. Et du homard. Du homard, je mets dans le fils. Et en si misère, ça puisse paraître, je foule ça sur un papier film. Je roule ça comme un boudin. Et mais sur ma table, j'ai un grand film de plastique. Ça fait que ce boudin roule d'une façon aisée. Quoi. Et quand on coupe mon boudin, une fois qu'il est cuit, il est lié et il est net. À part les petits dés de homard, ou de truffes, des fois, quand le client paye, on ne regarde pas. Cher président, Bestemouche, meneer Courtois, geachte familie, mastercooks, beste vrienden, collega's, ik wou jullie dit filmpje niet onthouden. Pierre straalde die dag. Hij kon er zijn collega's nog eens toespreken en vooral hij kon hij zijn passie voor het koken met zijn handen tonen. Ondertussen meer dan 38 jaar geleden bracht je voor het eerst een tiental collega's samen om de Mastercooks of Belgium op te starten. En werd je ook de eerste voorzitter. Er is ondertussen veel gebeurd. Pierre Fontaine, Guy van Kouteren, Alain Deluc, Robert van Duren volgden u op als voorzitter. In 2012 nam ik de fakkel over en zorgde ik met een heel chefsteam ervoor dat de Mastercooks er terug helemaal staan. Mijn generatie van chefs keken tijdens hun leerproces enorm op naar jouw generatie, Pierre. We zijn opgegroeid met Pierre Omier als een van de boegbeelden van de Belgische culinaire geschiedenis. Pierre, we danken u voor uw pionierschap, uw visie, uw bijdrage aan ons culinair en cultureel erfgoed. We zullen er goed op letten dat jouw werk met veel fierheid verder wordt gezet. En in naam van alle leden, het ga je goed. En als je de kans hebt om jouw boudin de homard, autruf, nog te bereiden, dan zal je daarboven ook nog veel mensen gelukkig maken. Le millésime 2018 ne restera pas, vous en conviendrez, comme un bon cru pour l'association Eurotoc et le monde des cuisiniers. C'est le moins que l'on puisse dire. Le décès en janvier de M. Paul
comme nous l'appelions familièrement, a secoué et peiné le monde de la gastronomie française et internationale. Complice de toujours, en amitié, pour raconter ou faire une bonne blague, dans la recherche des bons produits de bouche et pour la pérennité de notre gastronomie belge, j'espère que dans les manuels scolaires des sections hôtelières partout en Europe, ils auront la volonté et le respect de la mémoire envers ces monuments de la gastronomie. Nous, artisans cuisiniers, nous te devons beaucoup, chers parents, et nous nous sentons orphelins de notre père spirituel. En ce moment du dernier au revoir, je suis humblement fier et honoré de t'avoir connu et de poursuivre au niveau international ta volonté de défendre la vraie cuisine, la seule, la bonne. Et puis l'après-midi, on a un peu parlé, enfin il m'a surtout parlé. Et puis il m'a dit qu'on va organiser ça, on va voir comment tu dois faire et tout. Le lendemain matin, à 9h précise, j'étais en cuisine et lui est descendu. Et puis la première chose qu'il a dit à son équipe, « Bon, les gars, aujourd'hui, vous vous démerdez, hein. Moi, je m'occupe du gamin. Hein. » Et c'est ce qu'il a fait. Rendez-vous compte, j'avais 19 ans, j'étais adolescent. Je sortais de ma Normandie, j'arrivais pour la première fois dans un restaurant 2 étoiles. J'étais vraiment impressionné. Et je vois quelqu'un que je ne connaissais pas, qui a consacré toute une journée, mais vraiment toute une journée. Il m'a montré, on a recommencé, on a refait. Il avait commandé des sols, il avait commandé de la volaille le matin. Enfin, il m'a tout expliqué. Et ça, vous ne pouvez pas savoir ce que ça m'a fait. 46 ans après, aujourd'hui, ça me marque toujours. J'ai été vraiment frappé par sa générosité et aussi par son envie de transmettre. Quand il voyait un gamin, parce que j'étais un gamin à l'époque, qui avait envie, c'était fou, quoi. Il donnait. Jusqu'à sa 3e étoile, quand il a eu ses 53 ans, il n'a cessé de gravir un escalier immense, avec toujours beaucoup de persévérance, de ténacité, d'un courage immense, mais aussi avec énormément d'enthousiasme. Pour ce qui est du baron Pierre Romeyer, remercions-le d'avoir mis la lumière sur notre travail, de nous avoir sortis de l'ombre, et d'avoir tant œuvré pour le renom de la gastronomie de ce pays. Pour ma part, je te remercie, chef. Je te remercie du fond du cœur de m'avoir mis sur le chemin, de m'avoir transmis ton enthousiasme. De familieleden zijn diep geraakt door uw aanwezigheid bij de plechtigheid ter ere van Pierre Romeyer, mijn vader. We zijn in het bijzonder geraakt door uw dagelijkse strijd voor een gezonde voeding, door het gebruik van de kwaliteitsproducten, wat het credo was van mijn vader, alsmede van Paul Bocuse en andere koks, toen ze meer dan 30 jaar geleden de vereniging Meesterkokken en de Eurotop opgerichten. Mon père a souvent pris le risque d'innover de nouvelles recettes, de nouvelles combinaisons d'aliments, des autres modes de cuisson. Il était toujours à l'affût de nouvelles innovations technologiques. Cependant, il avait l'habitude de dire « Il faut connaître la base. Si vous voulez connaître des choses nouvelles, étudiez d'abord les anciennes. » L'innovation est un état d'esprit, disait-il. Il faut s'ouvrir, concevoir. La cuisine est en état permanent de changement et d'adaptation. Et il faut rester en éveil. Papa, chef, je pense que tu terminerais ce discours par une citation de Winston Churchill, grand amateur de bonne chère et de cigares comme toi. Visez la lune, même si vous échouez, vous serez parmi les étoiles. Je remercie du fond du cœur ceux qui viennent de rendre hommage à mon mari. Je remercie également ceux qui lui ont fait l'amitié d'être dans cette salle aujourd'hui. Je voudrais féliciter les présidents qui lui ont succédé à la tête des 2 associations qu'il a fondées. Par leur talent, leur enthousiasme, leur passion, leur volonté de hisser au sommet l'art et la qualité de la table, le maintien de nos traditions et le respect de leur prestigieuse profession, ils ont perpétué l'œuvre de Pierre et lui ont donné un petit goût d'éternel. C'est avec une grande émotion que je rappelle la devise de mon mari, qu'il a mise en pratique durant toute son existence. Primum vivere, tendie philosophere. D'abord vivre, ensuite philosopher. J'espère que là où il est a encore l'occasion de la cultiver.